Unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. Magnifique quand même, hein, cette gonzesse. Voilà. Ah, il y a du monde à jouer au ballon. Allez. J'arrive. Oh, un petit peu de... Et hop. Chasser de requins, ça me ferait du bien. Voir jusqu'où je peux nager. Oh, c'est pas mal ici. C'est pas mal ici. Oh, l'eau est froide. Oh, j'ai un courant chaud. J'ai un courant chaud là. Il y a quelqu'un à pisser. Putain, je suis loin, quoi. Oh, je suis loin de la côte. Le courant. Oh, c'est ouf, le courant. Et comment je suis loin? Au secours, au secours. Au secours. Oh, bon. Oh, bon. I won't let you out of
m'a dit qu'il m'avait filé une nouvelle voiture pour le travail. C'est laquelle? Ah, ça doit être la noire qui doit être devant. Ah oui, c'est bien celle-là. Il m'a dit noire, si. Ah si, avec une borne rouge de devant. C'est bien celle-là. Donc, ok, on y va. On y va. Doc. Hop, et c'est parti. Hop, allez. Tu désires des renseignements sur la région? Mais qui a parlé? Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT-2000. Le kit, si tu préfères. Bagnole qui parle? Mais putain, mais j'hallucine ou quoi? J'aurais tout vu. J'ai pas envie de me prendre la tête avec une caisse qui me casse les oreilles. Je vais vite fait bien fait jeter cet engin de malheur par la fenêtre. Je ne suis pas programmé pour me débrancher. C'est ce qu'on va voir, boîte de conserve sur roue. Comme tu voudras, mais j'entends très nettement dans ta voix une irritation, sans aucun doute due à la fatigue. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai pris une grosse cuite hier soir. Ça arrive à tout le monde d'avoir la gueule de bois. Mieux vaudrait peut-être mettre en conduite automatique par sécurité. Il faudrait mieux si tu veux pas que nous nous encastrons dans un mur. Alors un conseil, ferme ta gueule. Bonne route. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
T'as fait quoi de beau de ton week-end? Oh, moi, ouais, c'était pas un bon week-end, quoi, on va dire, parce que bon, j'étais un petit peu fatigué. Mais un peu de mal à dormir, alors je me suis pris un petit somnifère. Et puis là, paf, bah, je me réveille, on est lundi matin. Fait chier, obligé de retourner au boulot. Oh là là! Ah, c'est pas et de toi, fais quoi? Oh bah moi, j'étais en repas de famille samedi soir. On a putain, on a teasé mais comme des oufs. Du coup, on s'est couché vers 6h du mat, mais c'était un super repas et tout. Et j'ai un peu la tête dans le cul aujourd'hui, donc tu vois, c'est pas trop la forme, on va dire. Ouais, je me disais ce que t'avais sur la gueule là. Qu'est-ce que j'ai sur la gueule? C'est des rides. C'est des rides. Ah. Ouais. Tu vois, alors qu'à cause somnifère, pourtant je me suis foutu de la crème anti-ride ce matin. Alors que moi avec un somnifère, bah je vais bien. Ouais. Bah ouais, bah toi t'as dormi tout le week-end. t'as fait ton flemmard en gros. Fume-moi ta caisse, connard. Dépêche-toi! Allez! On se casse, il nous a rien donné cet enfoiré! À toutes les unités. Quelqu'un me reçoit? Ici Moto 311, on vous écoute. Braquage à l'instant à Carrefour Market. Les braqueurs partent en direction du nord, vers votre position. Ok, on y va. On les voit, c'est bon, on les prend en chasse.